Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Haïtien Femme Sœur, je ne vais pas vous une nouvelle pour nous. Et jeudi à la même, qui c'est mardi 3 janvier 2023, je ne vais pas vous mentir, nous ne pouvons pas vous connaître. Dans ce qui est pour exactement avec dossier assassinat président pays noir, que colon gang ça tout hier, que colon assassin tout hier, et bien justement, année ça, genre que je dis nous, son année de justice, son année de combat. Son année garçon pas campé, son année femme quand son en taille, son année de responsabilité de la part de chaque grand haïtien, son année côté que c'est haïtien qui gen cœur humain yo, c'est haïtien qui pote Haïti dans cœur yo, c'est yo même définitivement qui pral briller. Et ben justement nous tout ça qui gen pour avec dossier pays d'Haïti, fois ça criminel yo, c'est yo qui pral pas à l'aise et yo pas gen droit à l'aise. Et ça qui pral passer dans cadre mission ça là, la intéressant pour que chaque gen nan nous fait effort qu'une capable pour nous faciliter l'autre ami, une autre famille capable de participer ensemble avec nous jeudi à la même, parce que nous c'est en pile. Reginald de Boulos qui te quitté pays d'Haïti le 5 juillet 2021, soit deux jours avant assassinat président paysan qui c'est président Jovenel Moïse, parce que le connaît évidemment dernier l'argent que te décaissé dans fin mois de juin 2021 pour te voyer by mercenaire colombien ou l'autre bois justement pour venir tourer président. Eh bien, lui même qui connaît quelque part, t'es capable de gombaga qui t'a mal passé. Même j'ai noté comme ça t'es fait là, le 7 février 2021 qui se passe là, Jacques Kouan t'es raté, ça veut dire que n'est-ce que pour te contrôler d'accord, malgré les potes que je n'entends pas avec 100%, effectivement, Boulos t'es pensé que si Kouan mal passé, il n'y a pas pour le prendre un show dans le pays d'Haïti. Eh bien, Boulos t'es quitté le pays d'Haïti le 5 juillet 2021. Eh bien, je dis là même, qui c'est 3 janvier 2022-2023. Ap fè Reginald Boulos, mè di, le 5 kap vin la fè Boulos, 18 mois depuis Boulos quitte pays d'Haïti. 5 janvier 2023 kap vin la, ap fè Boulos 18 mois depuis Boulos quitte pays d'Haïti. En plus, on a posé question, depuis après Boulos te fin lan son message, kote qu'elle te dit, Haïtien, an nou mette tête nou ensemble, an nou mette tout différence de côté pour nous reset pays. Tout le monde a questionné pour dire pour qui ça Boulos pas jamais rentrer dans le pays d'Haïti. Après l'annonce que Dimitri Vop te fin faire et que la rentrer dans le pays d'Haïti depuis le 23-24 décembre 2021, Dimitri Vop te dit la rentrer dans le pays d'Haïti. Alors, décembre 2022, ça passé, Dimitri Vop pas rentrer. Tout le monde a questionné qui ça fait que pas jamais rentrer. Moun ki te koli an konbran pou yo an, ki te Jovenel Moïse, eh ben yo exécuté l. Ki sa k fè nèg yo pa ka a lèz? Eh ben pepa isyen, sa k fè criminel yo pa ka a lèz, c'est parce que c'est pas média traditionnel que yo qu'on a payé, qui c'est machine communication traditionnel yo an que yo mette pour protéger criminel qui fait tout cas des actes dans pays ça, k'ap vol an kòp payan et que yo gen propre média pa yo qui pap dénoncé yo k'ap kaze fè kouri sa pou yo. Eh ben c'est pas média pa yo a effectivement qui gen dossier nan men. Nous même nous dit dossier assassinat Jovenel Moïse là, nous kembel, et c'est lui même dans tout point que nous pral aborder dans ça qui gen pour avec information, c'est dossier Jovenel Moïse là même qui a la tête dans tout dossier dans playlist nous net. Nous dit si yon président de la République capable assassiner dans condition ça en dedans chambre ni la caille, si nous pas bataille pour que la vérité établie dans cadre dossier ça, et puis me garantis ou nan tan gwe pou vini yo, pa bon ayisyen k'ap janm ka gade moun sa nan zye, pa bon ayisyen k'ap janm ka pale la vérité nan pays sa. Parce que Jovenel Moïse mouri, parce que l'tap pale la vérité, parce que l'tap défend yon cause. Parce que l'tap vi faire comme si faire des réformes dans l'état. Yo tue l pour ça. Mais si nous quitte ou assassinons président nan condition ça et que nous pas bataille pour la vérité, et même garanti ou pays sa gen pou disparaître tôt ou tard. Et ceci, gon green bay ki extrêmement important. Gros criminel oligarchie pour y sentir yo, yo gon green objectif réduit population haïtienne nan avec un 1 million haïtien, et puis pour yo même yo dit comme ça que yo besoin fait pays d'Haïti vin un pays à moitié pour clair, même j'avec la République dominicaine. OK, yo besoin fait pays d'Haïti vin un pays à moitié pour clair, même j'avec la République dominicaine. Et ben Reginald Boulos te pensé que après le fin tout Jovenel Moïse l'étape vin jeune pays pour le pire à l'aise que jamais. Il a fait un candidat à la présidence pour l'acheter l'élection parce que c'est lui qui a mis propre CEP PAL. Boulos pense qu'il a fait à l'aise. Dimitri Vop pense pas que le chef passe dans le pays. Eh bien, nous-mêmes, dans les médias en ligne,
nous dit après nom fin tout un président seul moyen pour à l'aise ton écraser c'est pour tuer 12 millions haïtiens et puis pour venir à l'aise dans le pays seul moyen pas une autre possibilité pas une autre moyen pour être à l'aise après fin tout un président nous dit boulos pays d'Haïti mais quoi maman mais quoi papa ou sous capable vin pilil nous dit Dimitri Vob mais pays d'Haïti là rentrer vin ouvert corps j'en veux vin caler corps ou te dit pays à ce pays ou pas de problème mais vin caler corps. Si nous pensons nous avons tout pouvoir ça, nous sommes entrés dans la caillou président, nous assassiner. Et puis nous sommes dans la caillou parce que nous avons juge nous mettons le ministre de justice nous, comme si nous faisons un coup d'État. Nous faisons coup d'État, c'est normal pour nous faire coup d'État, nous trouver président, c'est fini. Et bien monsieur, je fais la tombe dans de l'eau, ce n'est pas jamais jouer ça pour rien. Grand monde toujours répéter ça. Battre chien et t'en mettre. Je dis à chaque grenadien capteur de Mkabgadem là, nous devons connaître exactement tout ça qui a passé dans ce qui est pour avec le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Depuis ce nèg qui a participé dans le crime ça, depuis ce nèg qui a participé dans le crime ça, qui s'est assassiné un président de la République, ou même capteur de Mkabgadem là, nous avons une bonne nouvelle sur vous. Il y a un citoyen qui a songé dans le pays d'Haïti, monsieur était sénateur de l'Ouest, il y a monsieur John Joel Joseph. Nous connaissons monsieur dans la prison aux États-Unis d'Amérique, pas vrai? Et mais je dis là, nous avons une grande bagaille qui dit tête. Il y a que pas de moyens pour quitter prison. Et bien, monsieur dit, il n'y a pas de prison pour contre lui-même. Mais qui côté? C'est la jette la marée 14 là. Qui s'est passé? Nous avons boire depuis le 1er janvier jusqu'à 3 janvier, nous là. Nous avons pile si notre cap sorti, un pile tweet cap fait, cap parler de Reginald Boulos. Et bien, ma bonne nouvelle là. Boulos pral gen problème. Boulos pral nan kouri. Et c'est normal pour que Reginald Boulos nan kouri. Parce que, l'on fin tout yon président, ou pense que nan niveau ça ou boss nan niveau ça, ou fin tout, ou fin met ton paquet nek tête gren, et comme si nan du jou, fait coordination pour ou, fait planification pour ou, et pour même ou de que c'est gros magou l'argent, pour faire tout yon président. Et pour penser comme si nous avons tout l'autre qui est tête de qui pour un rapport, pour a ma charité, ou on a mis de l'autre pour parler de yo. Et mes boulots, nous disons ça, garçon. Ça, Calvin là, ou connaît le déjà, ou connaît le déjà, ou qu'est-ce qu'on ou qu'est-ce qu'on et ça, Calvin, il n'y a pas petit. Et moi-même, commencer à dire chaque Grenadien qui a été capté dans la Coupe d'Haïti. Nous avons une grande responsabilité. Depuis ce espace qui appartient avec Reginald Boulos. Tandem bien ça que je pral dis là et appliquer à la lettre. Appliquer le gens que m'a dit nous. Haïti connaît des moments extrêmement difficiles sorti 2018 pour arriver 2021 jusqu'à assassinat au président. Pays en boulet, pays en loc, pays en crasé, on fait des choucailles. Il fait toute qualité mal propreté dans pays. Et bien nous même cap tandem cap gardem là. Nous avons une opération qui nous pral mener, c'est dernière opération qui lié. Dernière opération qui n'a pas pour nous mener dans pays ça, pour nous finir avec toute bagarre net qu'on est. À partir de ça qui passe sorti sur Reginald Boulos dans jour gain pour venir là yo. Écoutez bien. Nous connaissons tout espace qui appartient avec Boulos yo, m'a répété pour nous. Gayel Rancho dans Petionville là pour Reginald Boulos. Comme qui fait El Rancho, attendez bien. Comme qui fait El Rancho moderniser là, c'est l'argent Lona que lié. L'on dit l'argent Lona ou dit l'argent contribuable yo. Ou dit l'argent malheureux malheureux qui travaille dans factory yo. Ça veut dire c'est l'argent paysan, l'argent taxe peuple là. Que Boulos botte dans l'ona 2 milliards 900 millions de gouttes, presque 3 millions de gouttes, que Boulos a le volé dans l'ona pour le faire business privé. Le moment de le payer, et mais justement Boulos organise, il faut tout le président qui fait ULCC à prendre le prix. Ça c'est un. El Rancho, c'est pour nous-mêmes haïtiens que lié. Ok, nous pas pour nous bouler. Nous pas pour nous craser, nous pas pour nous bouler en yé là-dedans, dis-nous ça clairement. Nous sommes les clairs que nous y sommes, nous sommes les propres que nous y sommes, il faut que nous ne pas bouler. Les bouler, non seulement pas bon pour nous, elle pas bon pour payer en tout. Parce que ça, il doit rester pour l'État. C'est pour nous pour qu'elle rete. Là, nous sortons à l'un show, nous descendons sur l'aéroport. Là, nous venons sur l'aéroport, nous avons un bagage qui m'a en face de Cafou Simon, en face côté de City Bank. Là, nous avons un bagage qui marque Autoplaza. Autoplaza, ça c'est avec l'argent peuple là-même qu'il fait. L'argent peuple, l'argent masse peuple. Lorsque tu es Autoplaza, ou avancez, ou quittez Automeka, ou sautez Automeka. Ou avancez, ou tombez plus bas. L'arrivée, ou tombez exactement dans Nissan. Nissan, dans lui-même, c'est Koblona, même ou qu'on est. L'argent 2 milliards 900 millions de gouttes là que Reginald Boulos a acheté.
Nissan nan men la famille Jar, pe pa isye. Nan men la famille Jar, ok? Nous t'as des gros dans le Jar, qui nan Jar, qui tout est président Jovenel Moïse. Il a déjà sali même dans la prison aux États-Unis d'Amérique. Pas de problème. Mais vous la s'acheter. Maison Nissan nan, alors espace Nissan nan, nan men la famille Jar. C'est avec l'argent contribuable yo. C'est avec l'argent haïtien qui travaille dans la factory yo. Malheureux ça pas qu'un dollar prêté dans l'ONA. Mais boulot ça dans l'ONA, c'est comme ça qu'il prend pour lui faire business privé. Là on mandel pour le payer. Il pas fait ni deux ni trois. Pendant que la justice haïtienne qui t'a mis mandat derrière boulot pour arrêter parce qu'il pas de répondre question la justice. ULCC t'a vu pour questionner, il pas venir répondre question ULCC. Il c'est gros poignet parce que lui au-dessus de la loi. Et mais président Jovenel Moïse demandé pour que ULCC tant démissé sur quelques informes là. La justice décide pour faire travail. Il met mandat derrière Boulos. Boulos dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Son dérespectant pour un président met mandat derrière Boulos. Boulos sont tout puissants, sont dieux de la terre pour les haïtiens. Il n'y a pas d'autre ça. Monsieur dit la place son exemple sur Jovenel Moïse. Et Boulos s'est avec groupe nègre l'opposition Lyon devant de Michel, devant Nel Kassi. Monsieur dit la trace un exemple sur monsieur pour ça pas jamais produit dans le pays encore. Et c'est une bagaille que moi-même personnellement. Gade nan ki politicien dans le pays d'Haïti. N'a trace un exemple sur le tout peuple haïtien définitivement. Et ceci, nous dit nous ça clairement. C'est des têtes qui très mal réfléchi. Nous devons filer manchette nous pour nous retirer tête de corps ça mal réfléchi qui met Haïti dans la situation qu'il trouve là. Mais ça Boulos te dit. Boulos dit la trace un exemple sur monsieur parce qu'il a investi dans la campagne monsieur. Qui est ce monsieur là? Jovenel Moïse. Boulos dit, monsieur, pas jamais faire de respecter ça dans la ville encore. Et mais qui s'est passé? Boulos décide pour qu'il dépense tout l'argent pour le tour de Jovenel Moïse. Et exactement le 6 pour arriver 7 juillet, il a mené l'opération. Mais Boulos a quitté le pays d'Haïti le 5 juillet 2021. Parce que le compte n'est pas mené l'opération le 6 juillet dans la soirée pour arriver 7 juillet dans le matin. Et effectivement, peuple haïtien, il a foutu tout le président Jovenel Moïse. Je dis ça pour la vérité et pour l'histoire. Il y a un juge dans la cour de cassation. Après Boulos te voyé, André Michel avec Youl la tortue, il prend Messenger Jean-Louis. Ça pas passé 7 février 2021. Boulos fait équipe liant, elle prend madame Wendell Coctello, juge Coq. Ça c'est pas Reginald Boulos même, c'est coûte Malta et Reginald Boulos même, c'est lui qui va mettre madame Coq comme président de la République provisoirement. Et c'est une question que moi-même personnellement je n'ai pas de problème personnel avec Moïse Jean-Charles. Je n'ai pas de problème personnel avec Moïse Jean-Charles. Je n'ai pas de problème comportement. Faut Moïse Jean-Charles t'a dit qui ça te fait lui-même personnellement? Il t'a déposé main sous tête madame Wendell Coctello. Est-ce que c'est Regina Boulos qui t'a dit pour te choisir madame Wendell Coq? Faut Moïse Jean-Charles gagne explication pour le bail pour ça. Et pour Moïse Jean-Charles t'a dit peuple à tout qui côté madame Wendell Coq t'ayé dans la nuit qui était 6 pour arriver 7 juillet dans matin. Moi, Jean-Charles, vous capable d'éclaircir ça pour le pays pour moi. Moi-même, personnellement, tant que je regarde, même j'avoue, je n'ai pas de problème personnel avec vous. Sauf que je suis là avec comportement. Parce que vous-même, vous créez le pays à trop. Vous créez le pays à trop. Vous êtes capable de faire manifestation, pas de problème. Mais l'offre fin fait le demander peuple pour foutre clean la rien. Ou salope trop. Ou sont sangouin. Ou prendre un cop dans mes ravettes. Et pour japper dans la rue, comme si vous avez fait tout qualité. Vous n'avez pas au sérieux quelque part. Mais par contre, tout pour nous que ou t'es carré utile en bagaille ou t'es carré utile en bagaille mais pas président non et, franchement moi Jean-Charles mon cher ou qu'on qui va là jamais la venir là je monte la évoluer là nous besoin des monde qui éclairé des monde qui propre des monde qui vision pays des monde qui cap comme si m'dadjou qui penser pays ou ouais moi Jean-Charles honnêtement nous pas cap font pays pour nous quitter pour nous mettre au président il pas capable et on met choisir l'autre bagaille nous pas évoluer ensemble du tout et depuis tout ça on fait au cap haïtien tout pour nous que ou pas cap président 22 septembre qui s'est passé là, après ça, diaspora haïtienne dans ce fait au cap haïtien, j'en crase au cap haïtien, tout le monde mette chapeau bas devant. Yo prend les distances ensemble avant. Ou connaît tout pas président, ou connaît ça. Soit faire, ou réussir là-dedans, ou faire pile l'argent là-dedans, ou pas de problème ensemble avant, soit continuer. Mais sauf que mon niveau privé, n'a pas fort campé. Soit j'appe, pas de problème, mais soit faire mon crase là, oui, crase pas de prise, crase pays, il pas bon. Ça lui de suspendre. M'pa prêter sous Moïse Jean-Charles, ça qui est important c'est Reginald Boulos pour moi. M'a dit chaque grand haïtien qui tande m'a regardé là. Si peuple haïtien gon plus gros ennemi, si peuple haïtien gon monde qui piraille sur la terre, il relé Reginald Boulos. M'pa faire nous tande Boulos qui plaider dans
4 dossiers assassinat Jovenel Moïse, il pas connait rien, il pas connait pile dans dossier, il pas connait rien dans dossier. On va faire notre de Reginald Boulos là. Elle me gagne là, on va faire notre d'elle parce que ça qui passé Boulos monsieur gagne environ 64 l'année. Jovenel Moïse comme président de la République t'a gagné 53 l'année. T'as peine 53 l'année. Là que tout est président. Parce que le président t'a décidé pour que n'est qu'un gros avantage ça yo pendant peuple là lui-même qui a contribué petit pays a dans misère pays pas gain route pas gain l'hôpital la police pas qu'à toucher la justice tout juge rentre dans corruption tellement juge pas toucher Jovenel Moïse dit faut que lui mette un frein dans gagote ça même mon Jovenel Moïse a prend décision pour yo yo vinn défendre oligarque corrompu yo yo détruit président mais ça qui est important pour que haïtien connaît même si tout nèg l'opposition politique là t'a jappé yo pas de capacité pour te assassiner Jovenel Moïse yo pas capable yo pas capable faire yo même seul c'est exactement oligarque corrompu yo qui fout touyer président et yo doit payer pour ça et yo doit payer pour ça nous doit faire monsieur sentir que espace qui a parti avec yo même c'est éradiquer nous éradiquer trace yo là nous fin passer grand show nous mener opération clôturer comme si prend tout espace là net occuper espace là n'aller dans Auto Plaza, nous occupons l'espace là, nous allons dans Nissan, nous occupons l'espace là, nous allons dans chaque grain de l'imat, market de l'imat dans le pays, c'est pour peuple haïtien que lié. Prends manger nous, pas bouler. Prends de l'eau nous, pas bouler. Prends tout ça que nous avons besoin, que nous capote aller, à l'ensemble avec, sauf que pas bouler, rien du tout, espace là prêté pour l'État. Il est extrêmement important pour que nous menions l'opération avec sagesse. Ça pour nous, nous pas de craser. Ça pour nous, nous pas de bouler. À nous occuper tout espace net parce que c'est pour nous qui oyé à nous gérer ça parce que Boulos nous doit faire monsieur ça ressentir que yo pas jamais gain accès pour piler pied dans la cour pays d'Haïti sous tête papa des salines encore parce que nous te recevoir yo comme immigrant dans pays ya mais yo même yo vinn tourner bête yo vinn tourner pigo diable pour manger chaque grand haïtien et mais jodi a nous dit n'a trace exemple sur yo et à partir de ça qu'pa sorti là Boulos pas jamais à l'aise dans la ville et moi crois que nous pas ba nous mentir. Et sans sal sa yo, ti sangouen sa yo, ti volo sa yo, c'est fini. Yo doit fini et nous devons tracer un exemple pour nous montrer clairement nous finançons avec yo. Dans pile lobbyiste que yo paye pour que nous pas produire pas pa rentrer dans rapport. Nous connaissons Boulos c'est criminel déjà. Rapport ou pas Boulos criminel pour la vie pour nous. C'est ça qui est important. Dernier point ou tuer président. Ou nous pas jamais dire la bonne la vie nous encore. Ou pas jamais ka foutre pion dans la coupe d'Haïti. Ton boulem pour Boulos ta mettre pied dans pied d'Haïti, c'est pour foutre tout Haïti automatiquement. Ben c'est fini, complètement. Assassiner le président, Andela Kaili, c'est assassiner chaque Haïtien. Assassiner le président, qui t'a demandé pour construire route, le pays a besoin de 4000 km route dans le pays. Vagabond, voleur, criminel, Jean-Marie Vop, qui t'a fait kilomètre route pour 1 500 000 dollars américains, Jovenel Moïse dit non, prions pas ça, c'est 150 000 dollars américains par kilomètre. Avec 1 500 000 dollars américains, le pays n'a pas besoin de faire route. L'homme de la République dominicaine, c'est pas magie, non? C'est pas magie, non? C'est parce que kilomètre route en Dominicaine n'est pas coûté l'État dominicain 1 500 000 dollars américains. Non. Il n'est pas coûté l'État dominicain 300 000 dollars américains. Non. En Haïti, nous sommes capables de faire route même avec la vie dominicaine. Mais c'est parce que, on dit, pour nous faire le café à l'aéroport, la coûté l'État ici environ 18 000 000 dollars américains ou bien 22 millions de dollars américains. Tout le bagage, c'est millions seulement. Parce que nous sommes pays qui produit des millionnaires et des pays à pauvres. Nous sommes pays qui produit des millionnaires 50 pays et puis nous avons un peuple qui n'a pas à manger. Ça, Jovenel Moïse te repense et n'a pas tout pour lui. Si n'a pas capable de tout président pour ça, et bien nous dit, ça doit continuer. Nous devons organiser nous pour nous jouer environ 19 personnes qui ont volonté. 19 personnes qui portent Haïti dans le cœur. 19 personnes qui remettent Haïti pour tout bon. 19 personnes qui sont capables de prouver que nous remettons le pays ça, que nous sommes capables de faire confiance. Pour nous remettre le leadership pays ça, pour nous remettre pour nous mettre dans la tête du pays. Nous avons 19 Haïtiens. Qui respecte tête yo, qui remet Haïti pour tout bon, qui prouve que remet pays ya. 19 chrétiens vivants, qui gen volonté, volonté réelle pour Haïti changer, pour nous mettre dans tête pays ça. 19 moun, et pas plus, et pas pour Haïti changer, nous besoin 19 moun qui gen volonté réelle, aussi que ça. 19 Haïtiens authentiques, qui gen volonté réelle, qui gen vision changement, qui gen vision pays, qui pote Haïti dans cœur yo. OK, nous besoin 19 monde seulement. Il y a un président de la République pour nous voter à travers les élections. À travers les élections.
pour ces haïtiens normalement qui débarquent en foule à le voter. OK? Pour nous gain environ 18 ministres, nous pas de problème avec un premier ministre qui pour mener politique gouvernement. Aussi simple que ça. 18 moun sa yo, et pas moun qui va chercher avantage. Oui, job ça va marcher avec avantage, pas de problème. Mais sauf que, et pas moun qui vient travailler pour l'argent, et pas moun qui vient déchirer caisse l'État. C'est des moun qui vient friger cochon pour faire graisse cochon, cuit cochon, même j'ai eu un là. Sous pas qu'à faire, garantis ou pas même qui arrive là. Parce qu'automatiquement, tout compte sa capitaine ou il pas petit même. Parce que ces dernières fois, pour nous, un groupe moun, pour l'argent, faire autour du président. Faut que moun nous prenne ça, sorti net. C'est pour que monopole dans le pays, il faut que c'est tout haïtien qui vous monopolise. C'est automatiquement. C'est pour que privilège tout haïtien qui vous privilégie. Et nous, dans tout pays, nous avons ça qui est lié. Pas de problème pour faire business ou pour faire gros l'argent. Pas de problème du tout. Ou faire business pour faire profit, sous des millions d'euros investis, ou travailler step by step, ou grandir économiquement. Mais ce n'est pas tout d'un coup. Pour débarquer dans BNC, pour prendre 30 millions de dollars américains pour prendre tout. Pour prendre une institution de l'État, pour faire cadeau. Pour produire courant, pour faire l'État, pour faire l'État board 12 millions de dollars américains chaque mois sans qu'on ne paye courant vrai. Pour prendre gaz dans l'État à crédit et pour ne pas payer, et pour t'en donner millionnaire. Non, nous pas besoin de millionnaire dans le pays encore. Millionnaire, ça a tout le président et pas capable de tout le président. Parce que l'on est avec facilité pour jeune privilège dans le pays. Le président vient pour le sauver. Ou pas patrouiller. Ou pas patrouiller. Parce que souviens que pour capable voler tout comme ça, et pas tout le président comme si nous n'avons pas fait. Et vous n'êtes gâté. Pas bien ça clairement. L'on est capable de jeune privilège. Écoutez bien. L'honnête Kouboulos, j'ai un privilège, ça, dans le pays. Sous 12 millions de personnes, on capable de dire qu'il y a environ 6 millions d'Haïtiens qui n'ont pas à manger. Ça veut dire des gens pauvres. 6 millions d'Haïtiens qui n'ont pas à manger. Et puis, les gens, ça, même c'est des gens qui travaillent dans la factory. Ils n'ont pas à jouer prêt. Là, ils contribuent dans l'ONA. Ils n'ont pas à jouer prêt, non? Mais les gens qui sont l'origine de Boulos, qui sont gros paletots, c'est les mêmes qui privilégient dans le pays. Li rentre dans l'ONA pendant que Haïti pas capable de 25 millions 25 000 goud et mais Boulos lui-même li prêté 2 milliards 900 millions de goud un seul pour dans l'ONA et puis il dit pas bayon goud là-dedans il va payer là fin prêté ça pas suffit li dit besoin 1 million de dollars américains l'ONA n'est que fouillé yo bal 1 million de dollars américains li dit son projet il va faire dans zone fermat menti et puis il prend comme là li investir li remettre market yo sous pied est-ce qu'on paye comme ça. Le président vini pour stopper ça comme avantage. Ou pensez que c'est un président la vie? Il n'est pas bail. Eh bien, moi, je me dis non. Ou tout le président pour ça, c'est parce que le président a envie de manger. C'est parce que le président a envie de faire tout ça et c'est privilégié. C'est parce que le président a envie de faire route pour le pays, pour les petites machines plates, pour me courir dans le pays normalement. Si tout le président pour ça, c'est que tout le chaque haïtien. Eh bien, par le fait que tout le représentant nous, eh bien, nous-mêmes, masse peuple là nous pral tra son exemple sur maintenant de chaque grand haïtien quel que soit côté dans pays d'Haïti ou croison Boulos filer manche tout pour gagner accès avec col automatiquement période m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui côté qui l'on attendait nous et on va regarder nous encore une fois son plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme pas nous sur plateforme YouTube info bétoa bois calélié barrer tout assassin yo et barrer tout criminel yo parce que faut payer en délivré et année 2023 ça sera année de combat soit année de lutte année de bataille garçon pas camper. On a des responsabilités, on a chaque grand haïtien doit prouver qu'on soit haïtien pour tout bon. On a exactement chaque grand haïtien doit prouver qu'on remet Haïti pour tout bon. Parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin haïtien authentique, yo, ok? Nous avons besoin de tout s'assembler pour que vous rassemblez effectivement pour parler parole pays, pour parler parole changement. Et nous avons besoin de monde effectivement qui est responsable et qui remet pays, yo, ok? Qui pense à tourner la caille, nous avons besoin des haïtiens. Qui vivent dans la diaspora, qui est très compétent, pour que vous-même, vous venez briguer des postes dans la vie d'Haïti, des postes de responsabilité, pour que vous ayez leadership pays. Parce que nous avons besoin d'Haïti, nous avons besoin d'Haïti en chantier. Nous avons besoin d'Haïti sur route de changement. Pays doué en chantier, peuple haïtien. Nous avons un pays côté que j'aime masse haïtien à travailler dans la construction en Dominicanien. Moi, je veux haïtien ça retourne la caille pour venir travailler dans la construction dans le pays à tout. Parce que je veux un investissement réel à faire dans le pays. Côté que grand pile building qui construit bon en mer côté qui prend le terrain le village. Parce que moi-même, dis ça clairement, avec le temps, honnêtement, quel que soit le gouvernement qui pour monter dans le pays, il faut mettre un peu fluent dans le gouvernement, ça automatiquement, clé sous ça. N'a pas influé, n'a pas très influé là-dedans et n'a pas clair sur sa position nous parce que projet qui est pour payer il faut que les faites faut que l'exécuter parce que m'a dit nous grande bagaille nous pas qui t'es n'importe quoi avec le président automatiquement
quel que soit le gouvernement qui est pour élu dans le pays, ça, c'est nous qui avons fait mon élu, parce que c'est nous, peuple, et dans nos peuples en quoi, et nous qui avons dit peuple, mais qui est pour le choisir, hein, automatiquement, parce que nous faisons politique avec nous. Nous ne pouvons pas nous bénir encore. C'est ce que je dis nous clairement. Là, nous avons Claude Joseph sorti, là, fait travail que l'a fait, nous devons accompagner, parce que nous devons commencer à choisir les gens, nous mettre sous tête pour nous faire que nous avons les gens, pas nous, et nous ne pas quitter les griels, même avec Jovenel Moïse. Parce que ce qui est passé, Jovenel Moïse, là, il n'est pas passé encore. On peut dire là nous devons identifier allié nous monde pas nous yo colonne nous yo allié nous yo nous devons identifier yo OK je dis moi nèg comme si n'a dit y a vé Claude Joseph pour yo griel y a vé Martin pour Moïse pour griel et bon même comme haïtien nous devons montrer c'est nous majorité a et nous plus agressif que jamais parce que j'ai 36 ans depuis a fait violence physique sur nous et ben nous apprendre ni yo fait sous tonton nous sous ma tante nous sous frère nous sous sœur nous sous allié nous yo fait sous haïtien pareil nous pratique ça n'a foutre faire pour défendre tête nous avec eux parce que monsieur monsieur nèg yo méchant trop pour connait chaque moun yo senti qui capable prendre position pour majorité a yo foutre camper yo détruit yo gè média pa yo pour yo détruire moun et m'a dit ça lui de fini et sous quelque soit femme nan n'a fin avec elle parce que ravet criminel sangouin sanguiné volant sans sale ça yo gang ami cause que pays d'Haïti a n'a foutre fin avec eux parce que yo pas moun. Si yo te moun, paye pa détruit comme ça. Si yo te moun, Dimitri va pas rentrer dans BNC pour prendre 30 millions de dollars américains, on ti vol sans sale, on ti pauvre, on ti chic pas de manger. Et donc premier cobli dans la ville, yo fout faire millionnaire, ça sak balil l'état haïtien et puis yo dou paye en pauvre, moun pas ka manger, moun pas ka boire. Comme si l'autre vol comme ça fait un avantage à nos privilèges à nos pays, le président vient pour couper comme si et pas tout exactement tout le président non, c'est tout 12 millions haïtiens t'a fout du fait sur tout vivant. Et c'est kamikaze que yo yé. Depuis que ça fait l'argent dans bagay, il y a pour détruire quel que soit monde la vie par représentant pour eux, c'est celui même qui est important. Et que ça criminel ça réfléchit. Et m'a dit ça honnêtement. Ou ti chien que les Dimitri Vob là, sont ti chien gâté depuis petit. Sont ti chien ambitieux depuis petit, sont ti massissi, OK? Sont les qui fait sexe avec petite li, sont ti chien sale, sont ti vagabond. Peuple là doit prendre responsabilité pour marcher pour nèg ça. M'a dit qui des familles dans pays d'Haïti. Yo c'est ennemi majorité peuple haïtien. Il y a des familles même, ils sont ennemis comme haïtiens. Ils ne veulent pas nègre, ils ne veulent pas noir en général. Ils ont fait nous payer ces bagailles. Nous te recevons dans le pays. Ils ont fait nous payer, ils ont fait d'autres ni piatoires qui pauvres qu'on est. Nous recevons comme moun. Nous disons maintenant pays, de prouver sous terre ça ou libre ou indépendant. Pour ces moun ça aujourd'hui, qui tout le monde dans le pays, qui rentre les âmes dans le pays, qui tout le président. Et puis pour tout le monde qui a regardé, messieurs, franchement, pour bel garçon, pour Paul Anvers, comme si vous ne nous. Franchement, ça lui doit suspendre dans le pays. Et responsabilité, ça, chaque gagnant, ça prend. 2023, me dit nous clairement, moi-même, soit les gars ne sont pas campés, soit les bois calés qu'il y a. Ok, soit les bois calés qu'il y a, parce que moi-même, pas. Comme si tu étais langue, acheter figue vagabond, ça ne va jamais fait dans le pays encore. Il ne va jamais fait dans le pays encore. Elle m'a tous les revolts, elle a fait tout le président, puis elle a tout le monde, parlé dans toute la radio, elle a l'aise, elle a marché dans toute la rue, dans le Port-au-Prince, et puis le président lui-même fumé, qui a passé dans le triplé. Il est trop facile, monsieur. Il est trop à l'aise. Vous comprenez ça, M. Dulan? Tout le président, et puis la République, comme si pour nous, nous faisons ça, nous voulons. Il vient protéger tête nous, les journalistes qui ont menti pour nous, qui viennent faire faux débat, via analyse tête chat pour nous, pas de problème. Jovenel Moïse, ton petit Misagado. Eh bien, monsieur, joue va jouer bien. Parce que je fais la tombe dans de l'eau, grand monde dans le pays m'a toujours dit ça, c'est pas j'aime juste ça le pourri. Responsabilité ça, chaque gagnant ça prend et a foutre éradiquer nous tout dans le pays ça. Parce que li pas possible. Pour son petit groupe vagabond, un petit groupe voyou comme Zinadjou, qui vient nous tourner président et puis c'est fini. Et t'as trop facile, monsieur. Reginald Boulos, effectivement, a bien petit problème, parce que doit un problème, n'a pas foutu en difficulté, parce que le dossier Jovenel Moïse m'a dit nous clairement. Et la coquine dans gauche nous, et effectivement la coquine dans gauche nous, pas garçon de là, pas garçon de là, toute ça, toute diversion que tu as fait pour la radio, et tout passe de côté, oui, tout, ok, tout passe de côté, pas gagne l'autre bagarre encore, ou tout y est président, c'est normal pour que vous pas à l'aise, ou pas gagne à l'aise, ou pas jamais à l'aise, c'est fini, ok, et vous pensez comme si vous avez caché l'autre bois, et petit tout à gérer le business pour le pays. Comme si tout y est Jovenel Moïse, c'est ton blague. Son reste qu'il était Jovenel Moïse, c'est notre petit petit Misagado. Ok? Nous tout y est li. Nous sommes comme si nous sommes petit choulou, nous te mettez. Nous t'organisons nous là, nous te supportons pour devenir président. Les fin président comme si nous sommes pour devenir faire sembler dans le pays. Tade bien. Et nous prenons le temps de chien sale ça.
dans dernière déclaration qu'il était fait dans pays original Bolos côté qu'il t'a plaidé dit qu'il pas connait rien dans ça qui est pour avec assassinat président pays a qui c'est président Jovenel Moïse et nous pas attendre normalement vagabond ça et chef de gang ça qui est l'original Bolos là normalement qui t'a essayé plaider et dans micro et magique dans pays d'Haïti entendez vagabond sans cœur criminel sans guinée ça qui est l'original Bolos qui t'a essayé répondre question dans sa qui pour avec assassinat président Jovenel Moïse et qui nan niveau que Bolos a mis audacité dehors qu'il a plaidé attendez bien oui n'attendez ça et puis ça pour sortir là nous pour connaître parce que nous pour dire nous dans cadre mission entendez Reginald Bolos tout d'abord qui t'a essayé plaider et qui pas connait rien dans assassinat Jovenel Moïse et qui sont assassinat qui pote pays là comme si dans niveau avec tête chargée qui ça qu'il faut pas pour pas venir dans pays encore c'est parce que me prend recul dans politique tel bac entendez sangoyan qui a parlé non assassinat un dieu qui fait contre président Jovenel Moïse assassinat ça a pas mené pays à plus bien non tout ouais que assassinat ça a mené pays à dans choubon soit assassinat qui fait contre un haïtien soit assassinat qui fait contre le président de la République soit assassinat qui fait la Kaeli de manière brutale non pas chambre. Parce que Reginald Bolos, MDV Haïti, nous avons toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence lorsque nous avons décidé de faire combat politique pour changer le système. Là. Nous avons mis en place yon, publiquement. T'as des sens sales, vagabonds, criminels. Bolos a dit qu'il n'a pas choisi de faire bataille violente, comme si nous avons dit pour, comme si dans la politique. Qui est-ce qui va tout les ça dans le moment pays là? Reginald Bolos. Qu'est-ce qui t'a distribué pour lui? Anel Belizer, Neges DPO, qui t'a distribué pour lui? Qu'est-ce qui t'a mouru? Haïtien qui t'a mouru? Reginald Bolos a plaidé au Ril, pas qu'on a un assassinat de Jovenel Moïse. En entendant, vieux volos sale, ça vieux sangouin, ça vieux sang que ça a capissé et plaidé. En entendant encore. Dans Jovenel Moïse. Assassinat ça a pas mené pays à Pibouin. Non, tout ouais que assassinat ça a mené pays à Tchouboum. Son assassinat qui fait quoi contre un haïtien? Son assassinat qui fait comme président de la République? Son assassinat qui fait la Kaeli de manière brutale, nous pas chambre, parce que Reginald Bolos, MDV Haïti, nous avons toujours condamné, c'est la violence. Nous pas choisi de prendre la violence lorsque nous décidé de faire combat politique pour changer le système là. Nous avons mis en place yon, publiquement un instrument politique. Nous avons mis comme dehors. Donc, nous pas croire que Reginald Bolos n'a jamais fait violence. Mais bonjour, Benson. Il y a droit à faire 10 ans, m'a dit que m'a rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Crivea le 7 juillet, et que me condamner fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais il y a droit à faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que je quitte la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que je suis adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que je suis un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'homme a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez que c'est Donald Trump qui tue Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent. Et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moins Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis. C'est ça me t'aime, parce que c'est seul ça qui peut permettre de me lever tête, de me dire, monsieur, nous, on te dit non, bah, il y a moins dans bagage ça. Donc, et en quête, ça me senti la piétiner, et me t'a souhaité que gouvernement, me t'a souhaité que international, qui a arrêté certains mois, et qui, étrangement, me t'a dit, me t'a dit, mot là, qu'il faut étrangement, dit que tout ça va le présenter un tribunal, il faut le rester caché. Non, même, il faut que bagage ait été ouvert, pour peuple haïtien qu'on est, exactement ça qui passé cette juillet. Faut que tout ça qui a fait là, le fait dans la transparence, pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite, néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, aucun rapport
aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch. À aucun moment de la durée, ou pas de personne monde, que c'est la justice haïtienne ou bien FBI qui était souhaité parler avec vous, tant qu'on personne of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aidé, éclairé dans l'investigation ou pas, Dr. Boulos? Je ne reçois pas l'invitation FBI, je m'entends parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch, je ne connais pas Dr. Sanon. Je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas Monsieur Jarre. Je ne connais pas Monsieur Andal. Je ne les ai jamais rencontrés dans ma. T'as bien, oui. Vous l'avez dit, il ne connaît pas Mme Koch, Wendell Cocktailo, ancien juge de la Cour de cassation. Il est un juge qui est plus ancien dans la Cour. OK. Qui est-ce qui devait chercher? Pardon, chercher Mme Koch? C'est Regina Boulos. Qui devait chercher Mme Koch pour venir. C'est lui-même qui crase quoi. Il fait pour M. Jean-Louis. Et puis il voit pour Mme Koch encore mettre sous lui. Pour venir faire coup d'État. OK? Boulos dit pas j'aime parler, il pas j'aime rencontrer avec Dr. Sanon, pas j'aime parler avec Dr. Sanon. Sanon, il pas reconnaître Dr. Sanon. Et puis, Sanon témoigne au niveau de CPJ. Monsieur dit comme ça que, il a toujours parlé avec Regina Boulos. Il a rencontré avec Regina Boulos. Il a échangé. Attendez bien. Imaginez un vieux grand monde pourri senti ça, penser que le cap tout haïtien comme macaque. Vous venez trouver un président, et vous pensez qu'il vient là dans la radio, et vous venez là pour journaliste ou clino. Moi, je dis, ça que qu'on a fait dans le pays ça, en 2010, 2008, 2006, côté que c'est un journaliste traditionnel là, c'est lui-même qui tribunal, c'est lui-même qui, comme si Nadjou, qui défenseur oligarque corrompu. Depuis que tout le monde dans le pays, c'est Radio qui vient cligner avec des analyses de chat. La justice n'a pas fait de travail. Comme si nous avons dit, protéger avec ça. Je veux dire, ça finit. Barrière, ça nous fout craser. Elle craser net ou qu'on est. Qu'est-ce que Gary Pépol Chalap vient là, avec paille de Feli, Clorox, pour venir blanchir volo, ça finit. Ou pas gagner pour dire fermer Bekou, comme criminel. Pays a fout fini. Si nous avons utile pays, avec micro, nous avons fait des pays. Ça, moi, qualité de travail nous fait là. Pendant 17 mois, à 18 mois, assassinat de Jovenel Moïse, quand le travail nous fait dans le pays, dans les médias, là, si criminel ça, qui a mis le micro depuis 36 ans dans le pays, si tu as fait travail pour le pays, je garantis que Haïti va descendre dans le niveau de 2 ans. Là. On peut quitter propre sous Jean-Claude Duvalier 1986, on groupe avec le micro, on groupe avec le pays, et pour même pas le micro dans le monde, ou on a détruit le pays, ou pas jamais on quitte. Et puis nous tout apprenons ensemble. Nous avons une seule stratégie. Riche dans le pays, pour madame nous petite nous, à le cacher à l'étranger. Nous avons seul, ça veut dire que nous avons un grand objectif de gagner des troupes IA pour chaque grand nous riche automatiquement. Nous faisons. Je dis, journaliste de Sénat, nous faisons un bec dans le pays. Parce que nous ne sommes pas utiles pays en rien. Nous faisons toute vie, nous avons défendu Boulos. Après, nous faisons tout le président, nous pensons que nous sommes capables de protéger. En avance, on a des sangouins. Je n'ai jamais participé, je n'ai jamais participé, je n'ai pas connu du tout. C'est la première fois que nous avons dit non, Dr. Sanon, c'est l'heure, il a arrêté Dr. Sanon. Je suis content de non Sami Randal, même pas j'en rencontrer, je ne sais pas qui m'en lié. Et d'après ça, je comprends la justice en Turquie se prend décision pour lui. Mes parents, j'en rencontrer monsieur Jean, monsieur Suchard, là, parce que grand fils Jean en Haïti, pas oublier, c'est non, mais on groupe Jean que je d'acheter Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec monsieur Jean, là, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Ça n'a pas été monsieur Rodolphe Jean. Je ne la connais pas. Je ne connais pas M. Rodolphe Jarre, okay. Je ne connais pas Mme Koch, je ne connais pas M. Sami Randal, je ne connais pas Dr. Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 et juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Donc, au coup d'État, il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont des bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont une lecture ça. Et nous prenons une lecture par ou même par rapport à ça. Vous t'avez dit? Oui, vous t'avez dit au lendemain du 7 juillet. Reprenez pour s'il vous plaît, parce que nous avons dit. Oui, on dit qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons peut-être non dans une vide constitutionnelle. Et de ce fait, nous sommes obligés. Chercher une solution. Ou pas qu'à quitter ton pays dans l'anarchie. Ou pas qu'à quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable. Est-ce que. Moi, je vous dis que c'est un crime qui dit au patin d'hymne. Est-ce que nous avons vérifié? Non, 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 non,
Oui, oui, très bien. Très bien. Okay, très bien. D'accord, ouais. Très bien. Mm-hmm. OK. Maintenant, bon, dis-nous. Et nous, au contraire, comme homme politique, nos obligations, nous, c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous allons dans le moindre mal, soit nous allons dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas installé. Donc, il fallait trouver, il fallait être créatif, prendre des une solution qui te permette que rapidement, payer par des graines volées dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous t'es parlé avec Dr. Ariel Henry, nous parlé avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous t'es dit, on cherchait une solution qui est bon pour le pays. Et quoi que, quelque part, nous t'es réfléchi que, à cette époque, que le premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous t'es respecté. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était de mettre Ariel Henry comme premier ministre. On respecte. T'as bien, oui, t'as bien, comment on va avec pour tout le monde pour égarer. Yo même, yo c'est monde qui, comme si d'adjou, Ariel Henry, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse. Ou l'été de chasse que faut que yo respecte dernière volonté président. Yo font complot. Yo fait matériel gonf, comme si alkebe président Jovenel Moïse nan gol pour imposer l'Ariel Henry. Parce que assassinat tout fait nèg yo doué assassiner Jovenel Moïse. Jovenel Moïse pas qu'à traverser mois de juillet. Parce que depuis Jovenel Moïse traverser mois de juillet, mois de septembre, quand même Jovenel Moïse a fait référendum constitutionnel là. Mais nèg yo dit faut que yo rete touye monsieur. Yo trangle Jovenel Moïse, yo force li prend Ariel Henry comme président. Elle te dit docteur Claude Joseph ça. La dernière réunion que le président Jovenel Moïse était la Kaili, c'était Claude Joseph lui même ensemble et lui même avec Ariel Henry et moun qui te mené Ariel Henry la Kaili Jovenel Moïse, moun qui te conduit pour Ariel Henry, c'était Joseph Félix Badjo qui était dans machine Ariel Henry. OK? Yo trangle Jovenel Moïse, yo force le prend Ariel. Et Jovenel Moïse te dit Claude Joseph ça. Et qu'il n'y a pas de problème définitivement, Matéli a battu le problème, il décide pour qu'il tourne à Sanseya, bye Matéli. Là, prend le premier ministre là pour Matéli. Effectivement, il prend. Rencontre a été faite, première rencontre pour Matéli était imposé Jovenel Moïse, Ariel Henry, il était fait exactement dans l'entrée de la boule 12 là. Côté n'a eu acheté ancien local, ça m'a dit, soit pour Baban Kouba et quelqu'un, côté où il vient faire restaurant, ça qu'il a gardé là. Par contre, comment nous en relais? Parce que c'est sinon Matéli a acheté l'Olivier. Parce que vous avez l'argent, mais vous avez ça pour faire comme là. Tellement comme là en pile. Et le peuple a mangé fatra. Vous comprenez? Mais justement, qui s'est passé, peuple haïtien? Jovenel Moïse accepte pour qu'il prenne Ariel Henry. Mais depuis le Jovenel Moïse, il prend Ariel Henry, noir sur blanc, Jovenel Moïse signe la molle. Il n'y a pas qu'on est pour diable. Parce que Jovenel Moïse n'a jamais pensé que Matéli était capable de vivre au niveau pour pouvoir, pour l'argent, pour être capable de tout il, comme n'est qu'il a choisi pour devenir président. Et c'est une bagarre, l'histoire n'a jamais pardonné. Michel Joseph Matéli. Ça va jamais pas donner Matéli. Ou on commence à finir ton crayon. Ou pour qu'on finisse petit garçon. Ou pour payer ça, garçon. Ou pour être à marcher. Ou à manger Colorado pour décaler bout par bout. Et zos, zos quoi porter seulement. Parce que plus l'argent nous volons dans le pays ça. Et puis nous voulons tout le président encore. Mon cher, nous avons payé pour lui. Et nous avons gardé nous fini sous pied. Assassiner le président. Monsieur. Dans tant ça qu'il nous trouve là. Nous avons gardé nos tailles. Nous avons gardé nos fêles. Et c'est là pour nous, peuple haïtien. Nous ne pouvons pas résister en bas de l'exaïo. Si nous sommes capables de qualité cran ça, pour assassiner le président, nous mettons boule figue tout le monde. Dans tant sa technologie, nous rage. Avec facilité, nous sommes capables de casser tout le bagaille. Nous avons mis cran au fel. Et pas de haïtien qui est là, oui, qui manifeste contre l'exaïo pour ne pas tout. Entendez-moi, vol au bœuf ça, vol au criminel ça, craser le pays, ça que les régions à boule ça tout. Donc, une réaction pour le faire. Quittez pour titre un jour. Quittez position sous fin mandat président 2021. Moi, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mon mandat président était fini 7 juillet 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, vous devez respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même par rapport à ça, vous avez évolué. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. Bon, je vous dis bagaille. C'est un débat sérieux sous question ça.
si président Jovenel pas de voir le Parlement aller, et président Jovenel te cherché un accord dans ça que tu as cherché, parce que tu as une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans pied, le voyait par le mal aller. Donc, ça veut dire que lui prend une mesure pour un groupe monde, et puis une mesure, ça n'a pas appliqué à moi-même. Okay? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc avoir une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui poutait là le ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que lui pas en haut, t'as sous toute sa crise de et il faut dire aussi que nous pas jamais d'avoir une solution de remplacement. Okay. Mais donc, on quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc nous rentrer dans. Oui, moi je crois qu'en tant que président en fonction, il fallait respecter, la dernière volonté et nous encourager que bon rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé trois bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'Akadi, entre guillemets, légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry, pour nous dire, mais nous signons encore, mais pour nous dire mon bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tous les acteurs politiques. Pour que nous venions un apport inclusif qui portait la paix, qui portait la prospérité, qui portait la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça, nous l'avons, nous remettons par le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que je m'interrompe, mais de fait, et plus de 6 à 8 mois après, l'État est particularité dans l'Alliance là, et l'Alliance là continue à gouverner, et avec le résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat. Que cet monde qualifie carrément de catastrophique et de désastreux. Écoutez, moi, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Quel poste nous occupons? Attendez. Nous n'occupons pas occuper poste politique. Maintenant, bonjour. Si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous avons écrits pour les ministres. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous, du Premier ministre, là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. Yon, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec le groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec le groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, là, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qu'à prendre en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque, ça a été un problème migratoire avec la République dominicaine, dans la lettre ça, 27 septembre. Nous écrivons encore fin octobre. Nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour, la nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MDV lève, moi en pile mon abou est monté, et puis pour nous dire, bon, nous quittons à quoi? Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous sommes là, nous mal à l'aise, comme nous personnellement, et tout à l'heure, on va parler de ça. Personnellement, moi, très mal à l'aise que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MDV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et m'a évoqué division de MDV sous ça. Parce que, au consacré, messieurs, moi, je vous montre très fort. Dans l'anthropologie haïtienne,
faut qu'on ait qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action ça va être fait. Et nous conscient de ça, nous pas souffrir de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de souhaiter ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire. Ça veut dire que c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en de pouvoir? Non, attends-moi. Bon, précisez pour vous. Bon, précisez, c'est important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteaux. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas un partage gâteau. Nous voulons partager responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le cas fait. Ça, c'est pour nous, ça le cas. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner, que nous avons dans le gouvernement, poste au Fatma, est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Karl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça va jambes à la veine, ok? Il a rencontré le docteur Karl François, vice-président du parti MDV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma baille MDV, son poste ma baille un cadre compétent de MDV. Effectivement, MDV est fier. MDV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, okay. En pile militant. Donc, un second, attends, précarité. Laisse-moi finir cette précarité. Vous savez évoquer précarité, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît, ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas faire stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous sommes, nous pas un problème de que docteur Karl François, parce que nous connaissons compétences de docteur Karl François. Et nous encourager que docteur Karl François Jodia, en tant qu'un cadre MDV, lui fait ça pour le faire, pour mettre une réforme dans le Fatma, pour le montrer que MTV est arrivé au pouvoir, mais qualité de réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, non pas jamais de dialogue avec docteur Karl François sur gestion, son est capturé en tant que cadre, okay. Le cadre de MTV auquel on docteur, a offert. Docteur Boulos, parti où la MTV, lui toujours parti de. À quoi en septembre, non? Et ma réponse nous parle positive, mais ma qualifiée okay. Positive. Ok, attends. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux, responsable. Est-ce qu'on pensez me qu'à lever matin et puis me dit bon, il faut Ariel aller jeudi à là, et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle, en fait. Très bien. Quand ça que là, c'est comme si on n'a dû pas prendre au point même. Boulos a qualifié tête comme un ex sérieux et responsable. Oui, ou sérieux. L'on prend décision pour tout le président vrai. Oui, ou sérieux. L'on entre dans l'ONA ou fait ou vole 2,9 milliards de gouttes. Oui, ou sérieux. Ou responsable, oui. Ou sérieux ou responsable. Oui, ou sérieux. Le président, l'État, chef l'État, passé par institution pour que vous m'avez touché, il y a force au payer ou vous tout le président. Oui, ou sérieux. L'on prend décision quand vous avez ou fait. Ou assumer responsabilité, ou son équipe responsable garçon. Mais jour fait la tombe dans de l'eau, c'est pas usal pourri. Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, bon vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Fait, eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques aujourd'hui. Oui. Acteurs politiques aujourd'hui, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. Eh ben. On doit constater cet échec. Eh ben. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons c'est... dans au moins 4 ou 5. Mais soit bien. Mais pardonnez-moi, M. Godot, quittez mon petit Jean Beto. Et Dr. Boulos, le médecin, Dr. Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, oui. L'elle dit côté état financier, moi. Côté profit, mais puis le conseil de bagaille, le gars dashboard, il a dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou des raisons, leur dit, très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus. Mais
les individus aussi construisent les systèmes, sont pas des systèmes. Faut mettre une nuance ça. Mais là, on regarde les résultats. Yo, si nous, équipe football, capitaine, n'a pas qu'à ben résultat, mieux donc ces deux joueurs cliquent pas qu'à ben résultat, et ben et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. Et oui, une entreprise qui a coulé dans mon docteur pour le sort fait. Ou saute d'un bagage? Non, ou saute d'un bagage important. Oui. Ou dit, si cette entreprise, moi, m'a privé devant board, moi, et m'a non, ou abge dashboard, ou, oui. Non, abge dashboard, fait. Ou abge tout élément, ou abge état financier, ou abge tout document financier pour faire analyse de situation un peu plus loin. Ok. Mon film dit qu'il t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ou même content qu'on parle de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans tête li qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général, alors des gens qui ont pas de résultat, ils ont compris qui ça nous fait. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons dans notre pays, parce qu'effectivement, en très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as des décisions que tu as prises. Bon. Par contre, et je dis à board là, on dit mon board là, les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que nous chita ensemble comme board pour dire mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision a fait. C'est ça que je m'en dis. Bon, qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguons la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Quel monde qui arrive à réfléchir ça avec autour là? Et puis qui vous dit clairement, Jodia, et c'est la question, ça me balle avancer avec tout à l'heure, docteur Boulos, pour que les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, la Bunta dit société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, à nous créer un play field pour y avec les règles qui lui respectent, et puis qu'on y a pour nous créer des conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, autant tant et aussi longtemps que pouvoir nommer des politiques qui prennent compétiteurs et qui besoin d'appareil l'État pour refaire une santé économique, je ne parle de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir, non, mais yo, il y a les germes de prochaines contestations électorales, quel que soit l'un après l'élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant existe, si tant il y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts. Oh, et on va prêcher en convaincu. Excepté que on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre secteur privé, contre forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là elle sortit ses dépositions qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions des droits de l'homme aujourd'hui, il y a chuté sous eux et autres. Donc en fait, nous n'avons pas assisté à une déchéance des institutions du pays. Et c'est pour ça que, encore une fois, m'a répété peut-être le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que yo ouvri dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais ce n'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous allons prendre. Actions que nous allons prendre pour tirer le peuple en bas, kidnapping. Actions que nous allons prendre pour nous capables de réduire la gote qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que je dis à goût de la 750 goût. Il faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais faut appel à secteur privé, non. Que nous avons des forts. Mais je dis, il n'y a pas là encore. Donc, on a raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose? C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, moi, je vois un petit bagaille qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a un an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires. Et les signataires, ça, je dis, à ta supposé. Prends au lieu, allez joindre Montana. Allez joindre Penn, allez joindre Jovenel Michaud, allez joindre Lavalat, allez joindre l'Église,
allez joindre le secteur religieux, allez joindre le secteur privé, allez joindre les associations, les associations professionnelles, allez joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de crise réelle. Non, 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 parce que MTV, c'est une élection, là. OK. Nous donnons nous d'explications ça, M. Boulos. Léa Brivé, sur nous, là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial, là. Nous posons une ou deux questions encore avant nos libéraux. Nous t'as peut-être avec un pile d'attention, t'as allé à l'âge, de façon caricaturée, au lever des mots, là, au besoin, président Jovenel Moïse, juin justice, pour que Douet qui longe sous Yoyo, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Prenons une petite explication sur partie ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et petite Lio, constitué en partie civile, compte Docteur Ariel Henry, il a longé doit être sous lui, il a dit qu'il y a une implication dans l'assassinat et président et Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour qu'on ait une explication? Non, mais pourquoi pas de non-juge? Pourquoi pas de non-juge? Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça ne veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça va dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. On ne peut pas nous accuser, moi, en Haïti. Pour si critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Il faut sortir dans ce phénomène. Ça. Moi-même, je ne peux pas juger personne. Je dis, il y a des gens qui ont arrêté. Ils ont arrêté. Il y a probablement une poursuite. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous et moi t'écoutez. Finalement, Next, ça va mettre dit nous, c'est Jovenel Moïse qui était allé mitraillette là, il fout peut-être 12 balles. Il prend Rachel craser deux pieds li, il prend Rachel craser deux poignets li, il prend comment relé pic là pété deux yeux li, il prend matoul craser colonne vertébrale li. Next, on mettre dit nous, c'est Jovenel Moïse qui touait tête li. Il m'a dit c'est président Kevin qui bail madame ni plusieurs cartouches, après ça le craser toute tête là avec cartouche. Boulos, on mettre dit nous ça oui. Ou prend nous pour ma quatre garçon. Continue mettre fig là dans bouche nous. Pas de problème garçon. Avec les médias sociaux, avec ce qui a passé dans le pays, Robinson, pour qu'on ait aujourd'hui, vous remontez fait sur tout le monde. Nous faisons, écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé, mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, rentrer au forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique, parce que j'ai toujours fait de moi, un responsable, pour voter tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et maintenant, l'homme, il me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de tout ça, je vais aller en politique, je vais occuper poste, parce que je ne peux pas occuper poste, et je vais montrer qui ça m'a fait. C'est ça que je me dis tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne vais pas aller rentrer dans vos. Non, là, ne peut pas être de vous remonter, non. Et là, je ne parle pas donc à qui, madame président, qui était là, et jour même, il a assassiné le président, qui accusait le premier ministre. Ça, vous considérez quoi vous pouvez vous remonter? Eh bien, qu'elle donne. Écoutez, je pense que madame président parle avec FBI, je pense qu'elle parle avec la justice, commissaire, et je crois que le juge d'instruction est invité. Supposez s'il y a information, ça y est. Faut le bailler, et puis quitter la justice avancée. Je ne pas rentrer moi-même, je ne pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas en bas de la bande, je ne suis pas présent, je ne suis pas en train de se passer. Je ne suis pas rentré moi-même dans, et je ne suis pas rentré dans l'aspect de ça, le problème même là. Ce n'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, je ne suis pas de juger. Non, je suis pas de juste pas de juger. Non, je ne suis pas rentré. En fait, je ne suis pas de même répondre sur ça, pour être honnête avec vous. Bon, ou bien explication que qu'on estime que c'est. Maintenant, je vous dis à la, docteur Boulos, comment considérez-vous? Qu'on monde qui simplement à l'extérieur du pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade, ok? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade. Et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement, sont toujours en poste. OK? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays pour cause de maladie. Et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen jouir de, éventuellement pouvoir voir mon pays changer, et puis
n'étais pas parti, pas parti en exil, n'étais parti pour venir faire fond usine. Il y a des débats qui vivaient pendant bas là, et ensuite il y a des problèmes de santé personnelle qui fait que bon concours de circonstances qui fait me devoir tout ça. Non. Et avant de me poser une dernière question, dans la lettre où vous êtes bah, dirigeant MDVO, vous soulignez ça avec regret, vous prenez distance avec politique et avec affaires tout dans le pays. Parti politique, et pour ça qui gagne avec politique, nous comprenons les affaires et dans mon pays. Ça veut dire qui ça? Non, mais écoutez, c'est comme MDV. MDV n'a pas été créé pour Reginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MDV ce matin. Je m'a demandé tout militant MDV, tout cas de MDV, même sa division entre nous. Moi, je voulais voir que MTV survive. Moi, je voulais voir que MTV survive. Et MTV parle survivre parce que nous avons un engagement. Différents mondes en dedans MTV. Les cadres aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV pour le mener de l'autre côté. Même Jean-Marc créé la c'est moi qui ai créé la Chambre nationale. Mais la Chambre nationale est toujours vivante. Elle a survécu. Non, je ne parle pas de MTV, non. Je parle de les affaires. Pour ce qu'on a ou dans les affaires, tout dans le pays. Je comprends très bien la question. Je comprends une question là. Okay. Mais j'ai créé des entreprises, au contraire. Je suis fier. Très fier que je dis, entreprise mais a fonctionné et elle continue à fonctionner, même si je ne suis pas là. Écoutez, il y a 66 ans. Dès que je dois mourir dans plus de là hier soir. Et puis, les entreprises auraient continué. Il y a des, j'ai mis en place des structures. Je suis un homme de structure. Moi, j'ai toujours mis des structures en place. OK? Donc, je dis à moi, mettre en place structures qui permettent que, quand on se voit des rapports, même pas participer à la gestion. Donc, je peux dire que je me suis retiré, je, personnellement, je me suis retiré des affaires. Comme mon père qui n'est plus là, s'est retiré des affaires et comme un jour. D'autres qui vont suivre tout à fait. Vont se retirer des affaires. Maintenant, est-ce que vous considérez toujours, je dis à la docteur Boulos, soit victime de persécution politique? Moi, je ne sais pas qu'on est. Je ne sais pas qu'on est, et je ne sais pas qu'on dit non. Je ne sais pas qu'on dit oui parce que je ne sais pas des actions concrètes. Je ne sais pas qu'on dit oui tout, parce qu'en plus, action que tu prends contre moi, elle va retirer. Bon, oui, ça peut être bizarre parce que. Oui, ça peut être. Oui, ou sous t'as dit, oui, victime de persécution politique, ça peut être bizarre. Bon, puis le monde, parce que là, on a considéré, bon, Reginald Boulos avec MDV sous pouvoir, il y a un accord qui est pour le ministre. Non, bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la discussion, ça encore. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Non, mais nous soulignons un instant. Par contre, Mamdou, quand vous posez une question, je me retire des affaires, je vais te dire. Comment on peut commencer en tant que citoyen? Comme médecin de santé publique qui t'a travaillé sur le soleil. Je pense à me décommenter. Je ne me rêve pas d'être entrepreneur, ni bien d'être peut-être à faire. Je dis à me souhaiter tourner dans le pays pour me garder le travail de qu'on fait dans la cité soleil. Pour me garder l'état, l'hôpital Sainte-Catherine, je dis à me garder tourner pour me retourner dans le côté de commencer. Parce que je suis passé de médecin, je suis entrepreneur, je suis homme politique. Le reste de la vie, je me retourner comme médecin de santé publique. Pour mal travailler sur le soleil encore. Pour mal remettre l'hôpital Sainte-Catherine en place. Pour m'ouvrir l'école La Saline, non, que je ne construis, que je ne vais pas jamais ouvrir. Pour me prendre l'école Boston, pour m'agrandir, pour arriver jusqu'à Philo. Et pour me capable de mettre en place des actions philanthropiques. C'est ça. Oui, vous avez besoin de tourner pour continuer. Il faut continuer à faire. Pendant la distance, là, nous gangsterisons le pays. Là. Nous faisons tout partout, nous faisons des déchirer les gens, des bêtes sauvages dans le pays, dans souci pour nous faire une militaire, une intervention militaire pour nous protéger dans le pays. Nous finissons avec un pays, nous finissons tout le président, et puis nous faisons une intervention militaire pour nous protéger, nous faisons sécuriser dans le pays. Je dis nos grandes bagailles. Où est le slogan Bois-Caléa? C'est sous nous, la, comme si la pratique la fête. Bois-Caléa a décalé nous, graine par graine. Et ceci, chaque graine ici a veillé nous-mêmes. Délivrance pays là passé pas comme si nous n'avions pas disparition nous comme des criminels l'autre parce qu'ils sont extrêmement violents. Nous prouvons dans quel niveau nous violents, nous prouvons dans quel niveau nous méchants. Nous pas voulons ouais monde, nous pas voulons ouais pays ça, nous pas voulons ouais haïtien. Il faut que nous payions pour qualité crime que nous faisons dans pays ça. Ben sangouin, on s'est dégagé tout dans pays d'autres ni pire terre, ou équipe pauvre, ou équipe petit chien sale, parce qu'on dit mais violent, ils viennent entendre c'est eux millionnaires. C'est eux qui ont tout bagarre dans le pays. La justice pas carré, c'est eux même qui ont occupé le juge. Tout le monde perd dans le pays. Mais moi, je me tape avec ça. C'est les, franchement, même si je me battais, même zombie, pas respecter avec ça. Comme nous, pour nous mourir avant tout. Parce que nous devons payer pour ça que nous faisons. Pour dire que ça a cassé pour nous, nous avons fait accident, nous avons pris un code, nous tête, nous avons pris un zombie, nous avons fusillé tête, nous parce que nous sommes des méchants qui nous y sommes. Trois monde
Trop sang coulé dans le pays, ça c'est nous qui faisons couler. Nous faisons trop famille crier dans le pays, ça. Ben méchant, ben criminel notoire. Et dans le pays pour ça. Sur quelque sorte forme là. Ou pas, on finit tout et Jovenel Moïse. Et pour pas jamais te content des petits Jovenel Moïse parler. Et pour t'aider Jovenel Moïse à parler. Ou finit tout et Jovenel Moïse. Ou pas jamais te content Jovenel Moïse à parler. Ou t'aider la parler. Ou finit tout et Jovenel Moïse. Ou pas penser Martin Moïse dans une capacité ça. Un bon Martin Moïse prend la ouïa. Il prend responsabilité. Et la parler en bon leader. Et nous disons que c'est leader. Peu pas ici en camper de elle. Parce que nous prenons responsabilité pour nous camper bon côté. Parce qu'il faut que nous ayons des gens qui pour camper. Pour continuer la bataille que le président Jovenel Moïse a mené. Là, nous tous, le président, parce qu'il est à l'aise, il vient à l'aise. Il vient à l'école. Non. Ils sont PI, ils sont gagotes. Tout le monde fin tout le président. Et puis, il vient à l'aise dans le pays. Pas de problème. À l'aise. Un méchant, un criminel, un assassin. Gaspiller la bon président pour blague comme ça. Parce que c'est nous-mêmes qui chef. Président Jovenel Moïse. M'a dit tout le monde ça. Pas de pays sous la tête dirigée. Si toute catégorie de monde pas là pour respecter la loi là-dedans. Et c'est pour ça, rôle pas nous. À quel que soit niveau de monde. Quel que soit niveau richesse ou fortune. Quel que soit niveau de pauvreté ou. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la classe sociale qu'on appartenait, c'est faire respect. Quel que soit le monde. C'est-à-dire, je dis, hein, il est clair, il y a un problème qui passe dans le pays, le problème de Gaza, moi-même, je bouleverse comme président. Parce que je ne sais pas si je ne sais pas clair là-dedans. C'est pour ça que je dis, moi-même, je demande au Premier ministre pour que mon comité s'allie mette sous pied. Parce que mon cap travail dans l'ULCC, c'est l'État qui paye, c'est l'argent peuple qui paye. Mon cap travaille dans l'UFC, c'est l'argent peuple qui paye, c'est l'État qui paye. Mon cap travaille dans l'inspection générale des financiers, c'est l'argent peuple qui paye. Peuple haïtien, même j'aime camper là, je dis, c'est pour monsieur ça, pour venir camper, pour venir expliquer peuple la bagage ça. Parce que je ne vais pas comprendre, juste qu'on y a le bateau clair dans la tête. C'est-à-dire, si moi, comme président, je ne vais pas comprendre, ça veut dire, peuple haïtien, il n'y a pas de bien comprendre. C'est que Jean ministre, comme ça se dit là, le bon bagage comme ça qui arrive, faut qu'il y ait éclaircissement sur lui. Si il y a surfacturation, parce que nous sommes dans la tête couleur, rappelez-nous. Ça veut dire, si il y a surfacturation, si il y a un monde qui peut pour ça, c'est pour payer pour lui. Si il y a un petit monnaie, si il y a un peuple pour retourner à Bali, retourner. Si pas gagner tout. Nous amis, c'est parce que entre le secteur privé et le secteur public, pas qu'il y ait bataille. C'est entendre pour nous entendre. Mais pour le bien du pays, mais qui est-ce qui paye? C'est le peuple là. C'est le monde qui vit. C'est-à-dire, si je dis à un groupe de monde riche net, au détriment d'un groupe qui pauvre net, pas qu'à quel côté nous parler. Jamais. C'est-à-dire, le monde ça, n'a toujours mettez le monde dans la condition pour nous faire monde comprendre son menace que vous représentez pour nous. Et ce n'est pas ça que vous devez. Par exemple, je dis, gasoline rete sous la mer. Est-ce que c'est normal? Il n'est pas normal. Mais si tu as une entente qui te joint entre eux, l'État et nous-mêmes qui avons importé le gaz, ça va pas être privé. Mais pas oublier, ça va pas faire bien comme président. C'est pas 25 000 dollars pour pas le payer. Non, 10 ou fait 250 000 dollars. On va pas le payer tout. Parce que c'est un profond l'absolu. Mais si vous n'avez pas de côté pour mettre 250 000 barils de gaz, pour qui soit recommandé? C'est pour nous arriver, nous joindre, on entend. Parce que le pays a bouqué. Les bouqués dans le gourmet, l'État a goumac privé, privé a goumac l'État. Pour qui ça? C'est pour nous chaque, nous respecter les limites. Nous. Ou là pour faire business, pour faire profit. Ça veut dire profit, vous dire qui ça? Profit, vous dire respecter la loi. Profit, vous l'avez dit, le bail sur mon business, tout le bagage est majeur. Je regarde un tableau qui a circulé sur les réseaux sociaux. Que moi-même, je ne vois pas le Premier ministre. Le Premier ministre dit ça y est. Comment vous comprenez que BNC, Banque l'État, GAP, taux d'échange, il y a plus gros parce que tout le monde. Ça veut dire. Ça veut dire ça, il faut gagner une décision qui prend le Conseil des ministres pour mettre GAP sous. Taux de change pays, pour tout le monde qu'on nous dit,
l'argent on l'argent a changé. Si on dit c'est 0.25 à 0.50 ou 0.75, moi par contre on est banque, c'est droit de changer. Comment mon banque c'est un change pour faire business ou ça ça veut dire il n'a pas aucun sens. Alors nous voulons ça pour moi-même pour me d'accord. Si c'est ça que vous faites pour un examen, m'a besoin d'examen. Président Jovenel Moïse. Et pour parole, ça retourne. Pour vérité, ça retourne. Il n'y a pas qu'à vivre. Parce qu'il a défendu le peuple. Il n'y a pas qu'à vivre parce qu'il a défendu moi. Il n'y a pas qu'à vivre parce qu'il a défendu le peuple haïtien. Il retourne pour ça. Et m'a dit, monsieur, là nous finissons tout le Jovenel Moïse, grand pile Jovenel Moïse qui nous calé sous ça. Il quitte au petit garçon qui est le Jovenel Moïse, mon cher Baba, nous menti. Le n'attend des jeunes hommes, ça se va être chargé. Le gouvernement est dirigé par un système. Jovenel Moïse. Donc, les membres du gouvernement, la majorité, membres du gouvernement, membres de l'État, ils ont travaillé pour le même système, là, direct ou indirectement, conscient ou inconsciemment, ils ont travaillé pour. Et, délivrance, nous, en tant que peuple, passer par compréhension de point ça même. Point que. Là où nous avons une illusion, nous disons, mais tel pour nous lapider, c'est lui-même qui cause que nous avons tout problème, ça, c'est pour nous prendre focus, nous, pour nous mettre sous un groupe de monde, sous une série de monde, sous un président. Tandis que nous-mêmes, nous avons un focus, nous sommes libres de tout jugement, de tout jugement, nous posons action, nous continuons à enrichir, et nous continuons à protéger l'intérêt. Donc, il est important pour nous comprendre ça. Donc, c'est sûr que, avec réflexion, ça, nous comprenons pour qui ça. Pas de gens ou pas de pile monde, pas comme pas vivant aujourd'hui, pour le dire si c'est des gens qui te relèvent pour te balayer en exop, faire qu'on est comme un libre arrivé. Mais il va prendre la rue. Okay? Donc c'est parce que justement le système n'a pas contrôlé ou agir même à l'intérieur. Donc ça, c'est pour une partie question, on devait vraiment focus sur lui. Deuxième, là, c'était ce qu'a répété pour moi, Wendel. Il a présenté papa comme un monde qui pas prend conseil, qui pas tant de conseils, qui pas fait cas de conseils. Avec où est-ce que Mounsa a présenté, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça livré? Est-ce que, par exemple, il y a des conseillers qui ont une balle de conseil, puis quand on a allé, il dit, ah, pour qu'il peut être même faire cas de ça, dit, même. Par moment, on a dit que c'est exactement le contraire de ça, on dit. Par moment, il était tendu des conseils des mondes, tout qui m'a mené dans le trou, il était tendu beaucoup trop souvent. Et avant, il était conscient de ça. Mais, un bon exemple qui s'est parlant de la nouvelle constitution, qui n'est plus d'actualité, par exemple, on a parlé de ça. Qui haïtien qui pas comprendre que c'est une nécessité pour nous changer constitution ça parce que c'est base loi n'a vivre sur les c'est nous besoin changer façon n'a vivre donc besoin changer base loi n'a vivre sur les alors tout le monde est d'accord oui tout le monde est d'accord tout que constitution supposée être une façon que tout le monde gon mot pour dire ça oui mettez des comités sous place permettre qu'il y ait plusieurs révisions faites et tout non mais proprement nous qui t'a président parce que nous besoin comprendre qu'un président après tout reste un être humain c'est le commun des mortels son monde qui a émotion, qui prend une décision, et justement qui est en mesure pour voir les mondes à bas, le conseil qui peut mener dans la direction que je voulais aller, dans la direction pour justement respecter l'intérêt du peuple. Nous n'avons qu'à imaginer quelques conseils que tu as dit, papa, que non, il ne faut qu'on pas travailler sur le dossier de nouvelle constitution. Ça. Alors, nous avons une étape difficile pour nous-mêmes en tant que monde, nous avons mis nous en place président pour nous écouter le conseil. Ça. Donc, c'est pour ça que nous allons à l'élection, même si tu as l'air de dire nous sommes illusions d'élection, parce que c'est déjà sélectionné le plus souvent. Mm-hmm. Donc c'est pour nous à choisir. C'est pour nous à choisir un monde, justement, les tout le monde a dit abandonner le peuple, qui a campé avec le peuple. Donc, et tout le monde, qui est parmi nous, c'est conseillé. Parce que justement, nous retournons dans le premier point. Hein. En pile dans le monde, majorité du monde qui est dans la machine administrative de l'État, qui est dans le gouvernement, le travail pour le système inconscient. Que conscient ou bien inconscient de ça, que a fait volontaire ou involontairement. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, nous attendons que le président nous ait un jugeot, nous ait on dit, assez connaissances, assez paramètres normaux pour prendre des décisions, même si tout le monde a dit, il prend des décisions qui allaient à l'encontre de ça, qu'il a supposé faire. Et assassinat, par exemple, 7 juillet 2021, montrait que, par exemple, dans la vraie direction. Parce que s'il n'a pas pris la vraie direction, ça, monsieur va taper une obligation pour faire ça, vous faire. Ça, il faut qu'on d'accord ensemble avec lui. Si l'empereur Jean-Jacques Dessalines n'a pas pris la direction pour être le peuple, donc ça veut dire faire des formes agraires dans le profit ancien esclave,
n'avez pas fait complot pour assassiner le Pont Rouge. Jamais. C'est parce que nous avons pris la bonne direction. Et jusqu'à présent, plus de 200 ans plus tard, nous-mêmes, petits esclaves, nous avons subi conséquences assassinat Jean-Jacques Dessalines. Parce que justement, il n'a pas réussi, pendant que le était pouvoir, à mettre intérêt peuple avant intérêt tout le monde qui a assassiné lui. Il était où elle était proche pour faire, il a pris un bouton de panique, il a agi en urgence. Donc c'est la même chose. Si on est rentré dans la chambre, papa, papa, nous avons lu le rapport police judiciaire haïtienne. Il a touché papa 12 fois. Mm-hmm. Et la raison, la mort, j'ai dit dans le rapport, éclatement du cœur. Donc ils l'ont massacré. Si on est arrivé là, si on est arrivé dans la limite, ça, c'est parce que papa me donne une bonne direction. C'est très important parce que sinon, la mourir en vain. Il faut nous comprendre que nous sommes dans la bonne direction. Il faut nous comprendre que la bonne direction est possible. Si nous tournons dans le début de conversation, nous demandons est-ce que nous pensons le possible pour nous venir en délivrance. Oui, il est possible. Parce que si les gens qui ont empêché nous progresser, qui a empêché nous poser base pour le développement durable, qui a obligé à assassiner le président nous en train de chaminer pour faire, c'est parce que c'est possible. C'est parce que le président nous était sous voie pour le faire. Maintenant, ça pour nous faire en tant que peuple, pendant que mon gars réfléchit, c'est pour nous garder. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Quand on va parler? Nouvelle constitution. Mon gars parle, il est Jovenel Moïse. Il est le premier petit garçon, président Jovenel Moïse. Matéli Mabdjo, mon gars parle, il est Jovenel Moïse. C'est petit président qui est livré à Matéli. Boulos, mon gars parle, il est Jovenel Moïse. C'est le premier petit garçon, président qui est comme des hommes tout à Boulos. Dimitri Vob, mon gars parle, Lirele Jovenel Moïse. C'est pour un petit garçon. Président sorti Dimango a mis un boum boum di et check check là. Dimitri Vob. Ok? Tout le gars corrompu. Moun kap pale la, Lirele Jovenel Moïse. Et son zo, Elix zo poisson même. Et c'est chaque grain sa Jovenel Moïse qui te sous terre. Yo tout partout. Yo pas banon vague comme des gangs, comme des kidnappers, comme des assassins. En avance, Jovenel Moïse. En avance, petit garçon. Chant. Élection, on est capable d'aller, 24 sur 24, ça c'est base développement, infrastructure, barrage hydroélectrique, c'est base développement, ça germe aux places. On a parlé d'un pays, nous avons tellement de problèmes que nous n'avons pas conscients de ça. Haïti, c'est le deuxième pays qui a plus subi les effets du réchauffement climatique. Donc ça veut dire, nous n'avons pas même gassé les bois plantés, nous avons des cyclones toute la journée, inondation toute la journée, tout le monde est mal construit. Et nous avons un président qui décide de mettre des ça germe aux places, côté qu'il a fait des pépinières pour capable reboiser pays. Personne ne parle parce que ce n'est pas important. Parce que justement, permettez-moi de vous dire, la majorité des médias est contrôlée par les éléments de ce même système. Donc c'est ça qui fait réussir. Ils ont réussi à diaboliser, papa. On ne va pas mourir. C'est... On ne peut pas connaître un monde qui t'aime mal. Vous entendez ça plusieurs fois. Un monde qui publiquement te supporte, papa, pendant la campagne, qui dit que ils te font erreur. Ils ont été supportés, ils ont rendu compte que, ah non, ils ne peuvent pas supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qu'il s'en peut le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si ces graines options sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Non, en fait, avant de faire émission ça avec vous, l'aime survoler des messages qui sont qui publiés et qui dans la rue, il y en a pas qui t'ont retenu attention. C'est le fait que vous dites le fils aîné du président assassiné, Jovenel Moïse, t'a fait des révélations ou t'a gagné des informations que jusque là il n'a pas gagné avant. Il y a plein de monde qui a cité ou dit qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat et papa. Papa pose aux questions pour m'endo des bagages que me connaît que d'abord qu'on pas capable dit, deuxièmement qui est capable entraver l'enquête. Mais qui ça ou capable partager avec nous? Quelle information qu'on gagne, qu'on vient gagner, qu'on pas gagné avant et qui méritait partager avec le public. C'est à qui ça? En fait, information que je viens de gagner, malheureusement, je ne peux pas partager avec le public. Hein, parce que c'est aussi simple parce que justement, ce deal, nous avons une enquête en cours, il faut nous quitter le temps pour la justice faire travail. Ça, moi-même, je continue de dire public. Hein, et je dis aujourd'hui encore plus calme que je me dis avant parce que il y a plus de recul. Moi, je suis là, moi, je comprends, je m'analyse. C'est mon marathon que nous avons dit tout à l'heure, ce n'est pas en course. 100 mètres pour nous mettre en cours, fini, nous pas précis. Non, on a pas le temps, nous, de faire un travail, de faire un très bon.
Ça m'a dit, public, là, ça m'a dit, peuple haïtien, je suis tout jeune, parce qu'on comprend, on a vu dans un pays que la majorité de la population a 40 ans. Je sais, on a un peuple qui est plus jeune qui existait sous terre. Donc, là, je parle, je voulais parler ensemble avec jeunes, prioritairement. C'est que bien espoir, bien possibilité. Pour nous, jeune justice, premièrement, et je me dis plusieurs fois, jeune justice, pour papa, pour le président Jovenel Moïse, marcher main en main avec délivrance. Parce que même le monde qui mettait nous dans l'état que nous sommes là en tant que peuple, c'est même moun sa yo qui a assassiné papa. Ce message ça m'a toujours gagné. On te gagné ça gagné un an, on te gagné ça gagné 6 mois, on gagné le jour d'hier, on peut-être gagné pendant 20 ans, pendant 50 prochaines années, pas de venir. M'a répété le. Jeune justice pour papa marcher main en main avec délivrance en tant que peuple. Parce que même moun qui a assassiné papa mieux, c'est même yo même qui se garant protecteur système qui mettait pays dans l'Italie aujourd'hui. Ça, c'est important pour nous comprendre. Est-ce que nous sommes capables de dire ou pas changer par rapport à ça que tu dis nous, première fois que tu parlé ou tu es intervenu sur, dans l'émission ça, ou tu dis nous, on n'a pas aucun projet politique. Est-ce que ou toujours qu'il y a des paroles ça, il n'a pas changé? Toujours pas changé. Et là encore, c'est un autre point important. C'est même, j'entends le nous avons parlé, nous parler de ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on a le fait que je suis présent hier, donc son discussion bien moi-même ensemble avec elle-même, comprendre, je ne suis pas en commun accord ensemble avec le reste de la famille. Ça, c'est des points que Mounio justement mettait devant pour y retirer focus sur ce qui est important, qui c'est quelle justice là. À chaque fois que je prends la parole publiquement, justement, les réseaux sociaux commencent à parler, je vais aller Moïse, prochain candidat, ceci, cela, etc. C'est parce que je suis conscient de bagage. Pendant 40 dernières années, lier visage au monde, image au monde avec politique, c'est le dit que le monde n'a pas gagné sérieux pour le dire, parce qu'il a diabolisé n'importe qui qui fait politique dans le pays. Donc, à partir du moment que vous allez prendre pour vous faire passer pour leur futur candidat à la présidence, c'est justement faire comprendre que je n'ai pas intérêt à défendre, je n'ai pas justice à défendre, c'est bagage politique pour monter. Eh bien, non. On dit publiquement, non. Je n'ai pas jamais gagné envie de faire politique. Et d'autre plus, que ça peut passer pas pendant la fête politique. Non, elle n'est pas en vie. Et vous avez en vie pendant des décennies qui ont venu. Ou qu'a rappelé nous qui sorti contrôlé pendant pas porté président, qui projet vous avez dirigé vous-même? Projet personnel. Tout ça me t'a fait, c'était business personnellement. Je n'ai jamais dirigé de projet gouvernemental ou bien. Pas de jamais de site officiel ou ou, je sais pas moi, titre formel, pour ne pas capable de gérer un projet quelconque pour papa ou bien pour la présidence ou bien pour. Même dans, même dans le domaine de compétences, Jovenel, parce que l'Europe a parlé, l'Europe a intervenu comme le monde qui n'a pas connu pendant que Paul était président, tout le monde unanime à admettre ou à reconnaître que c'est un jeune homme formé qui nous parle. Même dans le domaine Paula, on n'a pas gagné que côté responsable pendant la présidence papa. Non, parce que je me dis tout à l'heure, c'est un choix familial. Je me dis, c'est lui qui va entrer dans ça. Et il connaît justement comme possibilité de vous détruire. Il va passer probablement à ce que tu as pas en train de chambre pour assassiner, mais après, il détruit l'image, il diabolise. Mais nous-mêmes, nous continuer à vivre. Donc, il demande nous justement tant qu'il peut être concentré sur carrière. Et c'est sûr que. J'ai dit, fouillant pas trop de loin qui boit. Donc, c'est très difficile. Moi-même, il y en a un qui fait mal par rapport à la disparition, papa, par rapport à l'assassinat. C'est que, petit, moi, pas bien en profiter de sagesse, papa. Parce que, petit, pas bien 3 ans, les papa. Parce que, papa, extrêmement sage. Je me toujours dit, il est son bibliothèque ambulante. Il a tellement de connaissances, de sagesse, il a un conseil pour chaque bagage, pour chaque étape qu'on traverse dans la vie. Donc, moi, c'est fouillant. Papa, c'est lui qui produit, mais c'est comme ça le produit de chaque monde qui va côté, c'est comme ça le produit tout petit. Donc, c'est justement, c'est pour ça, pour moi-même, pendant certains temps, il était difficile pour moi de garder le monde dans la presse, pendant que papa me vivant, qu'a diabolisé, qu'a fait comprendre que c'est un incompétent, qui est une expression imbécile heureux. Donc, le monde même, il a utilisé le mot, ça, contre un président de la République, donc il montre dans quel niveau que papa, même il respecte le pays, hein, mais bref, c'est juste pour nous dire que, écoute, par exemple, fait travailler très bien, ni en tant que président, ni en tant que père de famille. Et moi-même, avec bagage intellectuel que l'était dans moi, et oui, nous parlons pile, nous discutons sur plusieurs décisions, nous discutons sur effets, nous discutons sur problèmes. Donc ça permet que nous aiguisions façon de penser et puis ça amène une nouvelle idée. Mais ça a été le plus proche que j'ai été de la politique.
pas de jambes, il y a un bagage spécial pour me faire par-dessus ça me zoudouille. Et en plus, m'a rappelé très bien, à chaque fois que je suis plus proche, papa, lui, il a très bien compris qu'il était entouré par des gens qui travaillaient pour ce système. Papa m'était rassuré que je m'éloignais un peu. Non, pas venir dans tout côté, pour aller, pas aller dans toute campagne, pas venir tel côté, pas venir tel côté. Pourquoi? Parce que il y a des gens justement qui ont besoin d'oreilles, ou qui ont besoin d'une impression qu'ils ont des oreilles, parce que c'est capital économique, ça. Parce que c'est rôle, ça. Parce que c'est job, ça. Donc si moi-même, moi, présent, c'est comme si je me place, mon visage. Donc tout le monde était à distance. Moi, je suis à distance, mais en même temps, mon père, il savait exactement ce qu'il faisait. Et écoute, jusqu'à son assassinat, moi-même, on a une ferme conviction de 7 juillet 2021 à 7 février 2022, c'est une période cruciale. Et tout le peuple va comprendre dans quel niveau on a travaillé pour eux. Mais malheureusement, c'est pas seulement moi qui comprends ça, et c'est pas seulement papa qui comprend ça. Monsieur Système, il te comprend ni tout. Il dit non, il faut me éliminer, monsieur, avant que ça. Donc, il est obligé de peser le bouton panique. Donc, voilà, c'était exactement Jovenel Moïse, premier petit garçon président Jovenel Moïse, et que Matéli livré papa, ok, m'a dit nous ça clairement, nous assume la bagarre sortie de la pneu, pas d'apatouiller Jovenel Moïse sans que Matéli papa ait fait vers ça, ok, ça veut dire Matéli contrôle la sécurité Jovenel Moïse, pas qu'on pète à tirer, pas qu'on sécurité graffon et même, comme si c'est pas comme ça, pour m'en décider dans le rêve, pour le président qui est entouré avec bodyguard, ça pas qu'on qui graffon et même du tout. Et puis, il a crasé le président net, il a massacré le net. Je dis, Matéli, bravo, belle opération. Et opération garçon pas campé. Ou une opération, ou son champion, ou prouve que, ou son expert, ou dans le livre président. Et Matéli, bat chien en temps de mettre. Ou a désocé sous pied. Et moi, ma bataille, pour dire dans ça, la kembe la vie, ou pour pas mourir, mon doué de pas fini sous pied. Doué rete pour ou j'en a de pas fini. Ben méchant, nous criminels à l'extrême. Et n'a payé ça que nous fait. En dedans pays ça. Moi mais nous en pile et nous connait possible déjà, c'est toujours avec en pile l'amour et que moi toujours fait effort pour qu'une porte émission ça pour devant partout, devant la caillou, mais fois ça nous pas jeune série de l'autre émission tête chargée que nous pour le porter pour là, m'a dit nous rester connecté parce que travail pas le fait. M'a pas nous menti dans l'autre sens parce que 2023 ça nous vienne pirouiller et puis couper et d'emblée ça pas paix. Et alors ça pas content ranger koyo il va embarquer parce que pas gagne pour une peur nous dit ça clair déjà, OK, son foi mon fête et son foi pour mourir de vous fête son obligation pour que vous mourir, nous prend responsabilité pour nous faire bataille pour nous pour tout monde qui venir derrière yo il va jeune dans Haïti, mais Haïti que me vivre là me passer pour la génération qui pour venir yo revivre encore que belle la balague on était content ensemble avec nous info beto zami pas non cavalier pour le canon vraiment nous en pile. Non parole mais chat là moi je chat là. Y a mon qui dit c'est domaine. Je joue des bails la note des charges. L'état réglé ça fait la clavicie. Y a mon qui dit pas une équilibre.